Amen. Ça va, on me reçoit? C'est bon? Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Donc, je vais juste nous entretenir sur deux ou trois choses rapidement en rapport avec l'échange qu'il y a eu la dernière fois au terme de la réunion du mardi. C'est ça, c'était mardi, non? Voilà. En rapport avec ce qu'on a dit le mardi. Parce qu'il y a deux ou trois éléments qui ont été soulevés sur lesquels je n'ai pas jugé nécessaire de revenir pour ne pas rallonger inutilement l'échange. Ce n'est pas nécessaire. Mais c'est des points qui peuvent être de nature, en fait, à créer la confusion dans l'esprit de Daniel. Le bruit du travail. C'est des points qui peuvent être de nature à créer la confusion dans les esprits. Donc, il est important qu'on puisse évacuer ces choses-là à la lumière de la parole. C'est très important. Très, très, très important. Parce que la notion de salut, j'ai l'habitude d'en parler avec le pasteur Esmel. C'est le cœur de l'enseignement chrétien. Voilà. Ce n'est pas juste un chapitre parmi tant d'autres. Non. Tout ce qu'on est en train de faire là vise un seul objectif, que nous sauvions nos âmes. Tout ce qu'on aura à dire, tout ce qu'on aura à faire, toute l'instruction que nous aurons à partager, je veux dire que l'Église, que le corps de Christ a à partager, à développer, etc., vise un objectif. Parce que Jésus a été clair, le Seigneur a été clair, il a dit que son Père a tant aimé les hommes que nous sommes, a tant aimé le monde, qu'il a envoyé son Fils dans le but de faire quoi? De faire en sorte que nous puissions échapper au péril, à la colère qui vient, et que nous soyons sauvés. Donc, Jean 3,16, qu'on connaît tous, « Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Donc, voici l'objectif de Dieu. Voici l'objectif pour lequel Jésus-Christ a été manifesté. C'est l'objectif pour lequel il est venu non seulement mourir à la croix, mais enseigner les voies de Dieu. Donc, la notion du salut, enseigner sur le salut, c'est vraiment l'essentiel des enseignements, des instructions que nous avons partagées. Et même lorsqu'on instruit les disciples et qu'on les conduit dans la pratique des choses que le Seigneur nous a enseignées, tout ça, c'est dans le but d'en faire des vierges sages, c'est dans le but d'en faire des disciples matures, c'est dans le but d'en faire des gens qui ressemblent à Christ et qui naturellement seront enlevés à sa rencontre pour célébrer les noces. Ça va? Donc, le salut, c'est le cœur, c'est le point focal, c'est l'élément essentiel de l'enseignement que nous partageons de notre foi et tout le reste. Donc, pour ne pas trop longtemps garder la parole, je vais revenir sur les points en question dont je veux parler. Bien. La première chose que je veux dire, c'est que en général, les gens partent de la lettre de Paul aux Romains, où il a parlé d'Abraham à qui la justice a été imputée sur la base de ce qu'il a cru, sur la base de la foi en fait, sur la base de la foi. C'est bon? Il dit que Abraham a été déclaré juste. Autrement dit, Abraham a été établi comme un pilier devant Dieu et la promesse qui a été faite à Abraham a trouvé son accomplissement parce que Abraham a eu foi en Dieu. Le premier élément sur lequel je veux qu'on rebondisse, c'est qu'on soit capable de faire la nuance entre avoir la foi et puis croire. C'est bon? C'est pas que c'est différent, mais il y a une nuance. En réalité, la foi va au-delà du simple fait de croire. La foi, c'est croire plus obéir. Vous comprenez? La foi qui mène au salut, la foi qui nous donne de consommer véritablement la faveur de Dieu, notre statut d'élu de Dieu, etc. C'est la foi. Cette foi-là consiste à croire et à obéir. On commence d'abord par croire
parce qu'on ne peut pas obéir sans avoir cru. Donc, on commence par croire, mais ça ne s'arrête pas au seul fait de croire. C'est croire plus obéir. Et c'est ce qui fait de nous des hommes de foi. Donc, quand on dit qu'on a mis notre foi dans le Seigneur, quand on dit qu'on a foi en Jésus-Christ, quand on dit qu'on marche par la foi, ça ne veut pas dire qu'on marche seulement comme des gens qui ont cru, mais des gens qui, après avoir cru, s'attellent, s'attachent, s'appliquent à obéir. Et c'est en cela que Jésus pouvait dire « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur et ne faites-vous pas ce que je dis ?» Il est en train de parler en fait du genre de foi qui consiste seulement à croire sans toutefois obéir. Et c'est ça qu'il dénonçait. « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur ?» Appeler Jésus Seigneur, ça signifie que l'on a cru, comme je le disais la dernière fois, parce que si on n'a pas cru, on ne peut pas l'appeler Seigneur. C'est ceux qui ont cru qu'il appelle Seigneur. Maintenant, il dit « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur et ne faites-vous pas conséquemment ce que je demande de faire ?» Donc, si vous m'appelez Seigneur et que vous ne faites pas ce que je commande de faire, cela ne vous servira à rien. Vous aurez cru en moi en vain. C'est bon, on est d'accord? Et ce principe, il est vérifié même dans la vie d'Abraham. Et on va revenir rapidement dans le livre de Genèse parce que je veux que ces choses soient bien comprises, non seulement pour vous. Quant à vous, je ne m'inquiète pas vraiment. Je sais que vous êtes dans de très bonnes dispositions. Vu les retours que le pasteur Esmen m'a fait la dernière fois après la réunion, mais aussi et surtout pour que vous soyez correctement, suffisamment instruits pour réfuter des contradicteurs sur votre chemin, parce que ces choses-là, ça revient en boucle dans le corps de Christ et qu'il faut que vous soyez bien instruits dans ces choses-là, que vous soyez bien fondés sur la parole pour que, comme l'apôtre Paul pouvait le dire, vous puissiez réfuter les contradicteurs. Donc, regardons une chose dans le livre de Genèse. On va prendre la sœur Yélia, c'est toi qui fais les lectures, non? Je te donne les références et puis tu vas lire. D'accord. C'est bon? Très bien. Ou alors, on va partager. La sœur Cathy, tu peux lire aussi? Tu peux lire aussi? Oui. Attends, bien, c'est pas la sœur Cathy que j'ai devant moi, hein. Ah non, la sœur Victoire Yapo, c'est elle que je vois à l'écran. Tu peux lire? Tu peux lire aussi? D'accord, donc on va alterner la lecture. On commence donc par Genèse. On va voir ce que le Seigneur dit à Abraham. Genèse chapitre 22, versets 16 à 18. Voilà. Donc la sœur Aurélia, tu lis ce premier passage. Ensuite, la sœur Marie-Victoire va nous lire après Genèse 26, les versets 4 et 5. Et pour l'heure, voilà, on commence avec Genèse 22, 16 à 18. Je le jure par moi-même, parole de l'Éternel. Parce oui, que avant, fait... c'est, ah, pardon, c'est l'Éternel qui parle à Abraham. C'est bon? Juste après que Abraham ait consenti à sacrifier Isaac, ou alors à aller avec Isaac jusqu'au lieu indiqué pour l'offrir en holocauste. On est d'accord? Donc, c'est juste après ça que le Seigneur parle à Abraham. Pendant qu'il est encore sur la montagne avec Isaac, voici ce que le Seigneur lui dit. C'est bon? Très bien. Je le jure par moi-même, parole de l'Éternel. Parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Oui. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. Toutes les nations de la terre. Donc, regardez. Ce qu'on a commencé à lire à partir du verset 16 jusqu'au verset 18, c'est les choses que le Seigneur avait déjà promises à Abraham. Est-ce qu'on est d'accord? C'est les choses qui avaient déjà été promises. Donc, ce ne sont pas des choses nouvelles que le Seigneur cite ici. Donc, en Genèse 22, ce qu'on est en train de lire là, c'était pas des choses nouvelles. C'est des choses que le Seigneur avait déjà dites à Abraham. On n'a pas besoin de revenir sur tout le parcours qui a précédé. Je sais que vous avez déjà une notion de l'histoire d'Abraham.
les promesses que le Seigneur avait déjà commencé à lui faire. On est d'accord, non? Qu'il donnerait Canaan sa postérité, qu'il lui donnerait une postérité nombreuse, qu'il multiplierait sa postérité, etc. Je sais que vous êtes déjà, vous savez déjà ces choses-là, donc ce n'est pas nécessaire de revenir là-dessus en arrière. Mais ce qu'on remarque ici, c'est que quand le Seigneur commence à lui parler à partir du verset 16 du chapitre 22, ce que le Seigneur cite, ce ne sont pas des choses qui sont nouvelles, c'est des choses qu'il avait déjà promises à Abraham. C'est des choses dont Abraham avait déjà reçu l'information. On est d'accord? Mais ici, le Seigneur commence au verset 16 en disant, « Je le jure. » C'est ça, hein? Il dit, « Je le jure. » Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on passe du stade de la promesse au stade de quoi? Du décret qui va s'accomplir assurément. Ça veut dire que la chose va se concrétiser certainement. Donc, il y a eu, les mêmes paroles avaient été données à Abraham, mais elles n'étaient qu'une promesse. Et ensuite, le Seigneur va dire, parce que tu as obéi à ma voix, parce que tu as agi conformément aux instructions que je t'ai données, alors les choses que je t'avais promises là, désormais, je jure qu'elles s'accompliront telles que je te les ai dites. Est-ce que vous comprenez? Et la raison, c'est que Abraham ne s'est pas seulement contenté de croire, mais après avoir cru, il s'est appliqué à obéir aux instructions que le Seigneur lui avait données. Et c'est le fait d'avoir obéi qui a fait qu'il est passé, que les choses que le Seigneur avait dites sont passées du stade de promesse au stade de décret divin, qui allait forcément s'accomplir dans la suite. D'ailleurs, vous aurez remarqué que même quand les enfants d'Israël se sont mal conduits, le Seigneur les a châtiés, mais il n'a pas pour autant complètement annulé, n'est-ce pas, le décret qu'il avait pris suite à l'obéissance d'Abraham et en vertu duquel il a dit que Canaan serait disposé pour sa postérité. Ça veut dire que les gens sont allés en exil, ils ont été châtiés, ils ont été punis, ils ont été rejetés, mais le Seigneur a toujours pris le soin de prendre un reste. Et au travers de ce reste-là, d'assurer la continuité dans l'accomplissement des choses qu'il avait jurées par son nom, afin qu'il ne soit pas vu comme le Dieu qui ne garde pas sa parole, sa promesse, son alliance, mais plutôt comme le Seigneur éternel qui est fidèle. C'est en cela qu'il leur disait quelquefois, si je vous secours ou si je prends le soin de vous accorder un certain nombre de choses, c'est à cause de mon nom. Pour ne pas que mon nom, justement, soit vilipendé, que mon nom soit profané comme un Dieu qui n'est pas à mesure de garder l'alliance qu'il a faite parce qu'il avait juré au patriarche. Donc, la première chose que je veux qu'on remarque, c'est que une chose avait été promise à Abraham ou un certain nombre de choses lui avaient été promises, mais les choses sont passées de la promesse au décret et donc à un accomplissement formel parce que Abraham a obéi après avoir cru. Et le Seigneur va confirmer cette disposition dans la conversation qu'il va avoir avec Isaac des années plus tard. La sœur Marie-Victoire, tu peux lire Genèse 26. Genèse 26, versets 4 et 5. Vas-y. Suivons très bien ce que le Seigneur dit à Isaac. Bien. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. Oui. Je donnerai à ta postérité toutes ces contrées. Oui. Et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Oui. Parce qu'Abraham a obéi à ma voix et oui. qu'il a observé mes ordres, mes commandements, mes statuts et mes lois. Très bien. Donc, la raison pour laquelle l'héritage de Canaan et toutes les autres choses, multiplication de la postérité, etc., toutes les autres choses qui avaient été promises allaient assurément se concrétiser, c'était bien parce que Abraham avait obéi à la voix de l'Éternel et dans sa conversation avec Isaac, il va plus loin. Il dit, parce qu'il a observé mes ordres, mes commandements, mes statuts et mes lois. Ça va? Donc, quand on dit que Abraham, la justice d'Abraham ou alors la carrure, l'élection d'Abraham est fondée essentiellement sur la foi, ce n'est pas sur le simple fait qu'il ait cru, mais il a cru et il a obéi. Et ce n'est pas moi qui le dis, ce n'est pas un
ce n'est pas, comment on appelle, ce n'est pas un courant théologique qui le dit, c'est l'Éternel qui le dit. Et c'est écrit noir sur blanc dans les Écritures. Donc, généralement, les gens rebondissent sur ces éléments de la lettre aux Romains pour dire que, tous ceux qui cherchent, comment on appelle ça même, la justice qui résulte de l'obéissance aux commandements ou aux instructions de l'Éternel sont perdus et que la justice qui est en Christ, c'est le seul fait de croire dans l'œuvre qu'il a fait à la croix, c'est faux et c'est archi faux. Les Écritures n'ont jamais enseigné ça, le conseil de Dieu n'a jamais établi ça. Suivez-moi très bien, Dieu est constant dans tous les âges. Dans tous les âges, le langage de Dieu, le discours de Dieu est constant. Il n'y avait pas un Dieu de l'Ancien Testament et un Dieu du Nouveau Testament qui lui serait supérieur. Il n'y avait pas un Dieu dans l'Ancien Testament qui n'était pas suffisamment mature ou suffisamment sage et qui, dans le Nouveau Testament, après que Jésus soit mort à la croix, il est devenu maintenant complètement sage et parfait. Non, Dieu est parfait de toute éternité. Dieu ne varie pas dans ses choses. Sa sagesse est absolue. Dès le commencement, il savait ce qu'il faisait, il savait les voies qu'il traçait et où ça devait nous conduire. Vous comprenez? On est en train de voir ici de manière concrète et pratique que Abraham n'a pas été, n'est pas devenu ce qu'il est simplement parce qu'il a cru. Non, parce qu'après avoir cru, il a obéi. Et c'est l'Éternel qui le dit. Ce n'est pas par une philosophie qu'on essaie de l'établir. Moi, je ne suis pas contemporain d'Abraham. Vous non plus. Donc, aucun de nous ne peut parler comme témoin oculaire. Mais c'est sur la base de la parole de l'Éternel dans laquelle nous croyons que nous déclarons qu'Abraham a obéi. Parce qu'il dit, parce que Abraham a obéi à ma voix, il ne dit pas Isaac parce qu'Abraham a cru, il dit parce qu'Abraham a obéi à ma voix et qu'il a observé mes ordres, mes commandements, mes statuts et mes lois formelles. La parole de Dieu, elle est éternelle, elle est invariable et le conseil de Dieu, il ne change pas. Et l'apôtre Jacques l'a dit, qu'en lui, il n'y a point d'onde de variation. C'est bon? C'est le premier élément que je voulais qu'on soulève. On va encore soulever un autre élément. Le frère avait évoqué la dernière fois le fait que notre justice est comme un vêtement souillé devant l'Éternel. En réalité, c'est un passage des prophètes qui est très souvent mal interprété. On va restituer le passage dans son contexte d'abord. Et maintenant, je vais nous envoyer dans un autre passage du livre de Job. Et la pensée que les gens veulent attacher... Je reprends. Le passage d'Ésaïe qui a été cité, là, les gens lui donnent un sens qui n'est pas le sens dans lequel Ésaïe a parlé. Maintenant, le sens qu'il donne à ce passage d'Ésaïe, là, c'est un sens qu'on peut retrouver dans un autre passage du livre de Job. Et on va comprendre encore là-bas ce que ça veut dire. C'est bon? Allons-y chez Ésaïe, on va comprendre ce qu'Ésaïe est en train de nous dire. Ésaïe chapitre 60. Ésaïe 66, hein, attendez que je vérifie. Oui, Ésaïe 64. Ésaïe 64. À partir du verset 5. On va lire le verset 5, le verset 6. Le verset 7. Ça va? Donc, on va lire 5 à 7. Quelqu'un peut lire? D'accord. Ésaïe 64, verset 5 à 7. Oui. Nous sommes tous comme des impurs. Et excusez-moi, tout... hein, déjà, avant qu'elle ne lise, je précise que, en fait, Ésaïe était vraiment dans une sorte d'intercession. Voyez-vous, il était pratiquement en train de plaider devant Dieu par rapport à la condition du peuple. Donc, il faut bien comprendre de quoi il s'agit. Vas-y, lis. Nous sommes tous comme des impurs et oui. Toute notre justice est comme un vêtement souillé. Non, tu es en train de lire quel verset? 5 à 7. Ah, dans ta version, le verset 5, c'est... OK, donc lis le verset 4. D'accord. Parce que comme il y a des décalages de versets quelquefois dans certaines versions, donc lis le verset 4. Tu vas au-devant de celui qui pratique avec joie la justice. Donc, Ésaïe parle de l'Éternel. Il dit à Dieu, tu vas au-devant de celui qui fait quoi? Qui pratique Vas-y. Avec joie la justice. Qui pratique la justice. Notez bien que Dieu va
au-devant. Autrement dit, Dieu reçoit favorablement celui qui fait quoi? Qui pratique la justice. OK? Pratiquer. Quand on parle de pratiquer, on n'a pas besoin d'écrire œuvre. Pratiquer, pratiquer, pratique. Tu vas au-devant de celui qui pratique la justice. Autrement dit, tu reçois bien celui qui pratique la justice. Poursuis. De ceux qui marchent dans tes voies et oui. se souviennent de toi. De ceux qui marchent dans tes voies et se souviennent de toi. Mm-hmm. Mais tu as été irrité parce que nous avons péché. Mais tu as été irrité parce que nous avons péché. Donc, tu as été irrité pour une raison, parce que nous avons péché. Mm-hmm. Et nous en souffrons longtemps jusqu'à ce que nous soyons sauvés. Et nous en souffrons longtemps jusqu'à ce que nous soyons sauvés. Le sauver ici, il faut comprendre, nous en souffrons longtemps jusqu'à ce que nous en soyons délivrés. Ça va? C'est bon? Donc, en fait, Ésaïe commence par mettre deux choses en évidence. Il dit que Dieu accueille favorablement ou que Dieu va au-devant de lui de celui qui pratique la justice avec joie et qui marche dans les voies de Dieu, mais qu'au contraire, Dieu est irrité contre ceux qui agissent dans la désobéissance contre les pécheurs. Et malheureusement, c'était le cas de la nation d'Israël. Donc, eux, ils avaient péché, raison pour laquelle Dieu était irrité contre eux. Donc, ce qu'Ésaïe est en train d'établir, c'est que s'ils avaient marché dans la justice, dans la vérité, le Seigneur les aurait embrassés, serrés contre lui. Mais au contraire, ils ont vécu dans l'iniquité, ils ont péché. Et c'est pourquoi le Seigneur est irrité contre eux. Maintenant, continue au verset 5 de chez toi. Suivez très bien maintenant. Nous sommes tous comme des impurs. Oui. Et toute notre justice est comme un vêtement souillé. Oui. Attends, maintenant, regardez. Il dit quoi? Nous sommes tous comme des impurs. Et toute notre justice est comme des vêtements souillés. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Le verset précédent a déjà dit que nous avons péché. Est-ce que vous comprenez? Ésaïe n'est pas en train de dire que nous avons marché dans la justice, cependant tu rejettes notre justice. Ce n'est pas ça qu'Ésaïe dit. Ésaïe dit que nous avons péché. Maintenant, les quelques bonnes choses qu'on a fait là, même ça encore, sur lequel on pouvait se frapper la poitrine là, quand on met ça maintenant dans ta balance, c'est n'importe quoi. Voilà la pensée d'Ésaïe. Je ne sais pas si vous comprenez. Il commence par dire que tu t'es irrité contre nous parce que nous avons péché. Mais si nous avions marché dans la justice, tu nous aurais accueillis avec joie. C'est ce qu'il dit au commencement du verset 4. Il dit, l'Éternel va au-devant de ceux qui pratiquent la justice avec joie. Est-ce que vous comprenez? Donc, la bonne posture, c'est de pratiquer la justice, c'est de marcher dans l'obéissance, c'est de marcher dans les voies de Dieu. Ésaïe le dit au verset 4. Maintenant, il continue en disant, mais nous, Israël, on a péché. Et c'est la raison pour laquelle tu t'es irrité contre nous. Et dans notre conduite de péché, là, même les deux ou trois bonnes choses qu'on peut revendiquer comme étant des bonnes choses qu'on a faites, ça encore, même si on met dans ta balance, ça paraît devant toi comme n'importe quoi. C'est ce qu'il appelle notre justice même, comme un vêtement souillé. Autrement dit, les petits éléments de justice au milieu de notre iniquité là, ne témoignent même pas en notre faveur. Parce que même ça encore, quand tu vas sonder même peut-être nos motivations derrière même sont impures. Est-ce que vous comprenez? Poursuis la lecture. Nous sommes tous flétris comme une feuille. Oui. Et nos crimes nous emportent comme le vent. Est-ce que vous comprenez? Nous sommes flétris comme une feuille et nos crimes nous emportent. Est-ce que Ésaïe est en train de parler de gens qui ont eu une conduite juste et intègre devant Dieu? Non. Est-ce que ceux-là, leurs crimes peuvent les emporter comme le vent? Est-ce qu'ils peuvent être flétris devant Dieu? Non, c'est des pécheurs, c'est des gens qui ont marché dans la rébellion, dans la désobéissance, dans la révolte contre Dieu. Et c'est en cela qu'il dit que nos crimes nous emportent comme le vent. Tellement leur conduite était pécheresse. Hein, poursuis la lecture. Il n'y a personne qui invoque ton nom. Oui. Qui se réveille pour s'attacher à toi. Mm-hmm. Aussi nous as-tu caché ta face et nous laisses-tu périr par l'effet de nos crimes. Et nous laisses-tu périr par l'effet de notre justice. C'est ça? C'est ça qu'il dit? Tu nous laisses périr par l'effet de notre justice? Tu nous laisses périr par l'effet de nos crimes. Donc, c'est une génération rebelle, une génération idolâtre, une génération qui s'est révoltée contre Dieu et qui se retrouve justement en péril. Et ce que Ésaïe dit, c'est quoi? Si nous avions marché dans les voies du Seigneur, si nous avions été intègres, le Seigneur nous aurait reçus, le Seigneur nous aurait accueillis, car il va au-devant de ceux qui marchent dans ses voies et qui pratiquent la justice avec joie. Mais nous, au contraire, nous avons péché.
Nous, au contraire, nous sommes rebellés contre Dieu. Nous, au contraire, nos crimes témoignent contre nous. Et au milieu de cette attitude pécheresse-là, les deux ou trois choses qu'on peut réclamer ou revendiquer comme étant des bonnes actions que nous avons faites là, même ça encore, c'est corrompu. Donc, il n'a pas dit que tous ceux qui marchent, tous ceux qui s'appliquent à marcher dans les voies de l'Éternel et à obéir au commandement de Dieu là, paraissent devant Dieu comme des corrompus. Ésaïe n'a jamais dit ça. L'Écriture n'a jamais dit ça. Or, c'est le sens qu'il a voulu donner à la chose. Pour dire que si donc notre justice est comme un vêtement souillé devant Dieu, à quoi sert-il de nous appliquer à marcher dans l'obéissance de la parole? Est-ce que vous comprenez? Et ce n'est pas lui seul, c'est ce que beaucoup de gens soulèvent comme argument. Si notre justice est devant Dieu comme un vêtement souillé, à quoi nous sert-il de nous appliquer à marcher dans l'obéissance? Non, c'est pourquoi on a l'habitude de vous dire, évitez d'isoler de petites portions de l'Écriture et d'en faire des doctrines. On vient de remettre les choses dans leur contexte, tout le monde a compris, c'est clair. Il faut éviter d'isoler de petites portions pour en faire. Or, c'est ce que les gens font. On dit non, la Bible dit que notre justice est comme un vêtement souillé. Ce n'est pas un décret que la Bible établit. Non. Ésaïe est en train de faire un plaidoyer. Et il explique la condition dans laquelle le peuple était. Si nous avions marché dans les voies de Dieu, Dieu nous aurait accueillis. Dieu aurait pu plaisir en nous. Mais hélas, nous avons évolué dans le crime. Nous avons vécu dans le péché. Nous avons évolué dans la rébellion contre Dieu. Et même les deux ou trois choses qu'on pourrait dire qu'on a fait en bien, même ça encore, c'est entaché de corruption, c'est entaché de fraude, c'est entaché de souillure. Donc, si même les petites choses qu'on pourrait revendiquer, même ça encore, on l'a fait avec un mauvais esprit, à combien plus forte raison le reste de notre conduite? Donc, devant Dieu, ils étaient condamnables. Ils étaient sous la peine de leur péché parce que, tel qu'Ésaïe parle, ils prophétisaient, mais c'était une condition de péril pour le peuple. Est-ce que c'est clair dans vos esprits? Donc, l'argument de notre justice est comme des vêtements souillés. Il ne faut pas que ça distrait quelqu'un. Il faut bien comprendre de quoi il s'agit. Maintenant, ce que les gens veulent faire croire, je vais les aider. C'est-à-dire que je vais les aider et puis on va les instruire. Allons maintenant chez Job. Allons lire un passage de Job. Job chapitre 4, versets 17 à 19. Je lis. Oui, Job chapitre 4. Non, on va laisser une autre sœur lire aussi, comme ça. Oui. Tout le monde va lire un peu. La sœur Cathy, c'est ça, non? La sœur Cathy, tu peux lire? Oui. Job chapitre 4, versets 17 à 19. Avant qu'on le lise, je vais vous expliquer le paragraphe qu'on va lire là, d'où il vient. Vous savez quand Job, vous savez ce qui est arrivé à Job. On ne va pas revenir dessus. Vous savez ce qui est arrivé à Job et tout ça. Bien. Les amis de Job sont venus pour le consoler. Quand les amis de Job sont venus pour effectivement le consoler, prendre ses nouvelles, voir ce qui ne va pas, s'interroger avec lui pour savoir comment est-ce que le grand Job, l'homme qui apparemment marchait dans les voies de Dieu, s'est retrouvé là, etc. Donc, vous avez vu que les amis de Job ont pris la parole, ils ont parlé, etc. Ce que nous allons lire ici, c'est une parole d'un des amis de Job. Seulement, le livre de Job est merveilleux. Et puis, le livre de Job, en le lisant, il faut faire très attention. Il faut faire très attention. Ce qu'on est en train de lire là, quand vous regardez le livre de Job, en général, c'est une parole, c'est le discours d'un des amis de Job. Mais en réalité, l'ami de Job, il était en train de transcrire une révélation qu'il avait reçue dans une vision nocturne. Donc, en réalité, ce que nous allons lire là, ce n'est même pas une parole qui sort du cœur de l'ami de Job, mais c'est une révélation qu'il partage. Pour que vous compreniez que c'est une révélation, lisons déjà à partir du verset 12. J'avais dit Job, chapitre 4, verset 17 à 19, mais avant de commencer à lire au verset 17, je veux qu'on lise particulièrement le verset 12 pour que vous voyez bien ce qu'on est en train de dire. Job 4, verset 12. Une parole est arrivée furtivement jusqu'à moi et mon oreille en a perçu les sons légers. Écoutez, il dit, ça c'est l'ami de Job là qui parle. Il dit, une parole est arrivée furtivement jusqu'à moi. Donc, ce qu'il va dire là ne vient pas de lui, c'est une parole qui est venue jusqu'à lui. Cette parole est venue à lui comment? Vas-y, poursuis. Au moment où les pensées sont agitées par les visions de la nuit, quand un sommeil profond...
au moment où les pensées sont agitées par les visions de la nuit. Hein? Quand un sommeil profond tombe sur les hommes, oui. J'ai été saisi de frayeur et d'épouvante, oui. Et d'épouvante, et tous mes os ont tremblé. Oui. Un esprit est passé près de mon visage. Un esprit est passé près de moi. Est-ce que vous comprenez? Oui. Quelqu'un se tenait là, je ne le reconnaissais pas. Une silhouette étant devant mes yeux. Il y a d'abord eu un silence, puis j'ai entendu sa voix. L'homme pourrait-il être juste devant Dieu? L'homme pourrait être pur devant Dieu. Pourrait-il être pur devant celui qui l'a fait? Oui. Si Dieu ne peut faire confiance à ses serviteurs, s'il trouve des défauts chez ses anges, ce sera d'autant plus le cas pour ceux qui habitent des maisons d'argile aux fondations posées dans la poussière et qui peuvent être écrasés plus vite qu'une mythe. Très bien. Je ne sais pas si vous avez suivi. Regardez la révélation qu'il reçoit. C'est un être céleste qui lui parle. Il dit que l'être là lui dit que est-ce que l'homme pourrait être pur devant Dieu. Je veux que vous compreniez très bien, on va lire, que vous compreniez très bien l'esprit dans lequel il parle. Il dit, est-ce que l'homme pourrait être pur devant Dieu? Regardez ce qu'il dit, son développement. Il poursuit en disant, il dit, si Dieu ne fait pas confiance à ses serviteurs, s'il trouve de la folie chez ses anges, combien plus chez ceux qui habitent des maisons d'argile qui tirent leur origine de la poussière et qui peuvent être écrasés comme un vermisseau. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? En réalité, dans ce passage-là, c'est peut-être un ange qui parlait, peut-être un ange, ce n'est pas précisé, mais il nous parle d'une silhouette, un esprit qui est venu jusqu'à lui, donc dans une vision nocturne. C'est-à-dire que tout ce qu'il a dit là, c'est un peu comme une sorte de poésie, hein. Mais il faut rester concentré pour comprendre qu'il est en train de parler d'une vision nocturne. Il dit au moment de la nuit où les visions agitent l'esprit de l'homme, où l'homme est emporté par un profond sommeil, il est en train de dire en fait qu'il a reçu une vision de la nuit. Il dit qu'il a été saisi par une frayeur et puis il a vu une silhouette. Donc, un esprit est venu et a commencé à lui parler. On suppose que c'est un ange. C'est bon? Bien. Et il lui dit que est-ce que l'homme peut être pur devant Dieu? Parce que vous êtes d'accord avec moi qu'à un moment donné, Job était dans une revendication de son intégrité. On est d'accord, non? Job était vraiment dans la revendication de son intégrité. Pour lui, il est irréprochable, etc., etc. Donc, l'homme lui dit, attendez, est-ce que l'homme peut être pur devant Dieu? Il n'est pas en train de dire que toute application à obéir est nul et de nul effet devant Dieu. Non. Ce qu'il est en train de dire, c'est que si Dieu trouve des choses même à reprocher aux anges, ce n'est pas quand même les hommes qui vont dire qu'ils sont absolument, qui vont dire qu'ils sont parfaits. Est-ce que vous comprenez? Donc, en réalité, tout ce qu'il est en train de dire ici, le fait que Dieu n'a pas confiance en ses serviteurs, qu'il trouve de la folie chez ses anges, il est en train de parler en fait du standard de Dieu. Il est en train de dire que le standard de Dieu est tellement élevé que personne ne peut se frapper la poitrine pour dire que lui, il est parfait devant Dieu. Parce que si Dieu veut sonder les gens à la loupe, suivant ses barèmes à lui, là, même au ciel là-bas, ça a commencé au ciel là-bas. Donc, si ça commence au ciel, ce n'est pas à terre ici. C'est ça que l'Esprit est en train de dire. Est-ce que vous comprenez? Mais il n'a pas dit que... Donc, si un homme s'applique à marcher dans les voies de Dieu, cela ne compte pour rien devant Dieu. Ce n'est pas ce qu'il dit. Il n'est pas en train de dire que si donc un homme s'applique à obéir au commandement de Dieu, Dieu ne respecte pas cela, Dieu s'en fout de cela. Ce n'est pas ce que l'ange dit. L'ange est en train de dire que, mes amis, le standard de Dieu, il est trop élevé. Voilà, le standard de Dieu, il est trop élevé. Ça veut dire que la gloire, pourquoi Dieu a dit que l'homme ne peut le voir et vivre? Pourquoi? C'est à cause de ça, là. Je ne sais pas si on se comprend. Pourquoi Dieu dit qu'on ne peut le voir et vivre? C'est parce que sa pureté, sa perfection,
C'est d'ailleurs pourquoi on aura besoin d'être transfiguré avant de monter. Est-ce que vous comprenez? On aura besoin de revêtir l'incorruptibilité avant de monter. Parce que même notre sanctification, la sanctification qu'il nous a demandé, c'est lui qui nous a demandé de nous sanctifier, non? Les apôtres ont dit, dans la lettre aux Thessaloniciens, il a dit, puisque vous avez appris de nous, comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu? Ça veut dire que celui qui se sanctifie plaît à Dieu. Et la volonté de Dieu, c'est que nous obéissons aux instructions qu'il nous a données. Mais il ne faut pas que quelqu'un, en marchant dans l'obéissance aux instructions de Dieu, croie qu'il est trop parvenu à la perfection. C'est là qu'il tape sur ton épaule pour dire, petit, reste tranquille. Voilà. Vous comprenez, non? C'est ça. Sinon, ce n'est pas à dire que non, de toute façon, on n'y peut rien, on ne peut pas atteindre Dieu, donc vivons comme nous voulons. Et puis, si Dieu veut bien, il va nous récupérer avec lui. Non, 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 non. Non. Vous savez très bien que, est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un avoir 20 sur 20 dans un devoir de philosophie? Je vais vous poser une question pratique. Vous avez déjà vu quelqu'un avoir 20 sur 20 dans un devoir de philosophie? Est-ce que vous avez déjà vu ça? Ou bien dans un devoir de dissertation? Vous n'avez jamais vu, n'est-ce pas? Non. Donc, est-ce parce qu'on ne peut pas avoir 20 sur 20 dans un devoir de philo que tu vas t'amuser à aller bâcler ton devoir parce que personne ne peut avoir 20? Et si tu es en dessous de 10 là, tu seras récalé. Est-ce que vous voyez? C'est simple. Il faut t'amuser à le devoir et puis il ne faut pas avoir la moyenne. Tu vas voir ce qui va se passer. Même si on ne peut pas avoir 20, mais ce qu'on te demande là, il faut travailler, applique-toi à avoir la meilleure note possible. Applique-toi à être trouvé. C'est-à-dire qu'il faut que quand le professeur lise ta copie, il sente que voici un élève qui apprend ses leçons et qui a fait preuve d'un minimum d'application dans le devoir. Voici un élève qui, quand on lui demande d'aller lire les romans, il lit effectivement les romans parce qu'il était capable de mentionner quelques citations. Voici un élève qui, pendant les cours, montre qu'il suit bien parce qu'une ou deux choses que j'ai dit pendant nos causeries en classe, je vois qu'il s'est inspiré de ça pour travailler. Donc, c'est sur la base de tout ça là que le professeur regarde et puis te donne un 12 ou un 13 qui va te faire passer en classe supérieure. Mais si tu établis qu'à partir du moment où personne ne peut avoir 20, donc, je vais aller comme ça, sans application, sans véritablement me concentrer sur ce qu'on me demande de faire pour aller bâcler le devoir, tu vas récolter ce que tu auras semé. C'est la même chose. Nous n'avons pas encore revêtu l'incorruptibilité pour que quelqu'un puisse se frapper la poitrine pour dire que lui-là, à 100%, il est parfait devant Dieu. C'est quand nous allons revêtir l'incorruptibilité qu'on sera dans cette dimension. Mais pour l'heure, ce qu'on nous demande, c'est de nous sanctifier. Pour l'heure, ce qu'on nous demande, c'est de nous appliquer à obéir aux instructions qu'on nous a données. Et si le Seigneur nous a donné ces instructions, c'est parce qu'on est capable de les respecter. Le Seigneur ne nous demande pas de faire des choses qui nous sont impossibles. Autrement dit, sa parole serait un piège pour nous. Non, il dit, le commandement que je te donne là, il n'est pas extraordinaire, il n'est pas impossible. C'est des choses que tu es en mesure d'appliquer. Regardez Daniel. Daniel qui a été présenté comme un homme intègre, même Job qui a été présenté comme des hommes intègres. Ce n'est pas pour dire qu'ils n'ont jamais failli en quoi que ce soit, mais c'est dire que dans leur conduite de tous les jours, autant qu'ils ont pu par la force que le Saint-Esprit leur donnait, car je nous rappelle que cela n'était pas sans le Saint-Esprit, personne ne pouvait au milieu des ténèbres de Babylone porter le flambeau de la parole de Dieu s'il n'était animé du Saint-Esprit. D'ailleurs, la femme de Nebuchadnezzar va dire, celui-ci est un homme en qui se trouve l'Esprit de Dieu. Donc, je ne peux pas comprendre que la femme de Nebuchadnezzar ait plus de discernement que nous. Il y a quelque chose qui ne va pas. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est Daniel là. C'est Daniel là. Il n'y avait pas encore eu Pentecôte. Mais l'Esprit de Dieu était avec eux. Parce que l'Esprit de Dieu, je crois que j'en ai parlé dans le renouvellement d'intelligence. L'Esprit de Dieu était là. Et voilà des gens qui, alors que Christ n'était même pas encore mort à la croix, mais avec la grâce de Dieu pour eux, ils se sont appliqués à marcher dans les voies de Dieu, à respecter ses instructions, et ils ont reçu le témoignage que leur conduite plaisait à Dieu. De sorte que l'ange même pouvait dire à Daniel, lui donner rendez-vous au moment de la rétribution des justes. Par avance, Daniel chapitre 12. Est-ce que vous voyez? C'est clair, c'est établi. Donc, que personne ne vienne nous dire, non, non, je sais comme un vêtement souillé. Non seulement, c'est Esaïe, ce n'est pas de ça qu'il parlait, mais encore, si on se réfère parce que l'Esprit l'a dit à Job, il est en train de parler en fait du fait que le standard de Dieu est trop élevé pour que quelqu'un prétende
faire du 100%. De la même manière qu'on ne peut pas avoir 20 sur 20 dans le devoir de philo. Voilà. Mais on travaille, on s'applique, on s'efforce. Jésus a dit quoi? Il dit, efforcez-vous. Ça veut dire qu'il y a une lutte. Si nous étions parfaits, on ne se serait pas efforcés. C'est parce qu'il y a des imperfections, nous, que nous avons besoin de faire des efforts. Sinon, si on était parfait, on serait passé haut les mains. Mais parce qu'il y a des imperfections, nous, que nous efforçons, nous luttons, nous combattons pour entrer par la porte étroite. C'est bon? Très bien. L'autre, le dernier élément sur lequel je veux revenir, c'est... Allons lire au psaume, dans le psaume 25. Nous disons que nous sommes les enfants de la Nouvelle Alliance et qu'on est plus élevés que les gens d'avant. Mais quelquefois, je crois que les gens d'avant étaient quand même plus élevés que nous, un peu quand même. C'est ce que je constate malheureusement. Regardez David, psaume 25. Regardez ce que David dit dans le psaume 25. Non, pardon, le psaume 26. Le psaume 26. Qui peut nous lire le psaume 26? Aurélia, tu peux nous lire le psaume 26? D'accord, je commence à partir du verset 1. Oui, verset 1. Psaume 26, verset 1. Oui. David, rends-moi justice éternelle. Oui. Car je marche dans l'intégrité. Écoutez bien, rends-moi justice éternelle, car je marche dans l'intégrité. Mm-hmm. Je me confie en l'éternel. Oui. Je ne chancelle pas. Oui. Sonde-moi, éternel. Oui. Éprouve-moi. Fais passer au creuset mes reins et mon cœur. Écoutez bien le verset 3. Car ta grâce est devant mes yeux et je marche dans la vérité. Stop. On va continuer de lire, mais déjà, est-ce que vous voyez ce que David dit? Il dit la grâce est devant mes yeux et donc je contemple la grâce. Je bénéficie de la grâce, je reçois la grâce, mais je marche dans la vérité. L'apôtre Jean nous a parlé de grâce et de vérité. Peut-être on n'a pas compris. Donc, on va revenir en arrière chez David. Il dit, ta grâce est devant mes yeux et je marche dans la vérité. Il ne marche pas dans la grâce. Il ne marche pas dans la grâce. La grâce est devant ses yeux. Parce que la grâce ne dépend pas de lui. C'est quelque chose qui lui est offert et que lui contemple. Mais quant à la vérité, il a le devoir de marcher dans. Est-ce que vous voyez? Poursuis la lecture. Je ne m'assieds pas avec les hommes faux. Maintenant, il va montrer maintenant comment il marche dans la vérité. Donc, quant à la grâce, ça ne dépend pas de lui. La grâce lui est apportée. La grâce lui est offerte. Est-ce que vous comprenez? Donc, ça, c'est quelque chose que Dieu lui donne. Donc, il n'a même pas de grand commentaire à faire sur la grâce. Il a reçu. Mais pour ce qui concerne son existence quotidienne, son devoir de marcher dans la vérité, maintenant, il explique maintenant comment il marche dans la vérité. Vas-y, lis.